Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment écrire les lettres que nous avons déjà étudiées en attaché pour que vous puissiez montrer à votre enfant s'il ne sait plus trop comment tracer les lettres. On commence avec le L, c'est la première lettre qu'on a vue. Le L part de la grosse ligne, hop, et monte jusqu'au troisième interligne penché, puis redescend tout droit, tout droit, tout droit comme la pluie qui tombe et la petite canne. Le E, c'est une petite boucle qui va jusqu'au premier interligne. Le I monte jusqu'au premier interligne, redescend tout droit, puis la petite canne et enfin le point. Le U, c'est comme deux I ensemble. On monte jusqu'au premier interligne, on redescend tout droit, on remonte, on redescend tout droit et la petite canne. Le T monte comme un I, mais il monte jusqu'au deuxième interligne et redescend par le même chemin, puis la canne et la petite barre. Le N part de la moitié de l'espace entre la grosse ligne et le premier interligne. On fait un pont, on remonte par le même chemin, on fait un deuxième pont et la canne. Le M, c'est exactement la même chose mais avec trois ponts. Un pont, je remonte par le même chemin, deux ponts, je remonte par le même chemin, trois ponts et la canne. Le P monte comme un I ou un U au départ, puis descend jusqu'au deuxième interligne. En dessous de la grosse ligne, on lève le crayon à ce moment-là et on fait oh, ma feuille bouge et on fait un pont comme le N ou le M. Après, hop, le C. Alors le C, c'est juste la bouche ouverte. Voilà, on ne fait plus la petite canne qui vient avant. Le A, c'est comme un C. On part de là, on fait la bouche ouverte, mais on le referme et on redescend par le même chemin pour faire une canne. Le D, c'est exactement la même chose que le A. Mais ça monte jusqu'à au deuxième interligne, on redescend par le même chemin et on fait la petite canne. Le O, pareil qu'un A ou un D, sauf que quand on arrive là en haut, hop, on fait une petite canne qui monte. On ne fait plus la boucle à l'intérieur du O. Après, le Q, c'est la même chose que le O ou le A, sauf qu'une fois qu'on a refermé, on descend tout droit, hop, de deux interlignes en dessous de la grosse ligne. Désolé pour le mien n'est pas très droit. Après le S, on monte penché, on redescend un tout petit peu et on fait un gros ventre qui se referme. Le R, on monte jusqu'au premier interligne, on redescend un petit peu et on remonte et on redescend tout droit. Et la petite canne.